Yo, salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième display, les exécuteurs fusion. Donc là ça va être du rush dans cette vidéo. On est là pour chercher les dernières petites secrets qui nous manquent. Même un petit peu plus que les dernières. Il nous manque encore pas mal, je vous avoue. En plusieurs exemplaires. Et c'est parti, 24 boosters. Hop là. Premier booster. L'âme des lutins. L'âme de... Pardon. L'âme du lutin tranchant. Division. Portail de fusion. Terrapante. Et le livre d'or pour la première secrète. Que j'ai pour la quatrième fois. Partira à l'échange. Floraison de feu. Fusion de combat. Allez, Star Invocateur, Fusion, Paradoxe et l'Hydre. L'Hydre qui est la troisième. Je suis plus besoin d'Hydre comme ça. Mouton Fourreur, Loup Fourreur, Fusion Fourreur, Chien Pelchimal et la troisième fois que le Spino y tombe, je crois, troisième ou quatrième fois. Fusion alternatif, calamar, roi des marais. J'aime beaucoup cette carte en fait. Le roi des marais, c'est vraiment une carte qui est obscure. Mais bon, après, c'est pas une carte que je joue spécialement, mais j'aime bien le skin de la carte. Polarisation. Oui, c'est la quatrième fois là. Ouais, j'en veux plus. J'en veux plus de toi. Mirozoli, tu tombes assez souvent. Division, mouton fourreur, prison grisaille, qui tombe pas souvent. Fusion instantanée, et la chimère Flesia, qui tombe pour la deuxième fois. Impeccable, celle-là c'est impeccable. Lester. Prêtre, l'âme du lutin tranchant et le dragon fusion venin vide. Troisième fois aussi qui tombe celui-là. C'est nickel, j'en voulais trois. Prismère élémentaire, fusion instantanée, hibou chimal et la prédaponique qui tombe là, ça doit être la quatrième fois. Ouais, la quatrième fois. Ah, les échanges, ils commencent à arriver là. Chapelet Chimal, l'âme du lutin tranchant, récupération de fusion, roi des marais et derrière la pieuvre les Chimal, la deuxième, j'ai chopé hier dans la display, dans la vidéo d'hier. Pingouin les Chimal, sorcière carte pot artiste, hibou les Chimal, fertilisant miracle et le kraken aussi, qui est tombé dans la vidéo d'hier. Deux kraken et deux pieuvres. Encore une de chaque. Près de la planète. Chapelet Chimal. Lester. Et le tigre fourreur. Pour la deuxième fois. Il faut aller à l'écart fourreur. Ça partira à la vente ou à l'échange. Je compte pas faire de deck dessus. Polymérisation, récupération de fusion près de la planète Terra et derrière l'Hydre. Quatrième. La quatrième Hydre en combien? En 3 displays là. Bon, au final, c'est pas l'une des plus rares, mais elle est quand même. Elle tombe pas facilement non plus. Oufroureur, réserve de fusion, refusion. Cette carte-là tombe énormément. Lettre alchimique, c'est un truc de ouf. On a Spino. Quand il y en a plus, il y en a encore. On est reparti pour 12 boosters.
reine, prêtre, frappe mouche, purgatoria, le troisième. Impeccable. J'en voulais trois, il y en a trois. Là c'est la lycée où je commence à avoir toutes les cartes en trois fois. Polyamination, chaîne du lutin, saut de la rose. Bon bah, toi par contre je te voyais que deux fois, donc celle-ci partira. Petite invoquée. Vendeur de jouets, fusion instantanée, portail de fusion, calamar. Et derrière, bon, celle-là je la voulais pas spécialement. Celle-là tombe souvent quand même, c'est même, je crois que pour le moment c'est celle qui tombe dans chaque display une ou deux fois. Ça doit être la secrète qui a le niveau de rareté le plus facile à avoir. Gouffre horreur, chaîne du lutin, attrape-mouche, prison grisaille et effondrement magique. Et récupération de fusion, invocateur des illusions, fusion alternative, le livre de la loi. Bon, celle-là aussi elle tombe très souvent. C'est la cinquième. Un coin. Absorption, ok, floraison de feu, prêtre, mekaba, ou meshaba, vous prononcez comme vous voulez. Pourquoi je l'ai mis là, celle-là? Allez, ici. Chaîne du lutin tranchant, un souffle belle, calmar, fusion de combat, oh, et l'invocation. Bon, celle-là, pour le moment, j'ai de la chance. Elle tombe dans chaque display. C'est la meilleure carte de la série. Et 3 displays d'ouvert. Et dans chaque display, elle est tombée une fois. Fusion fourreur. Hibou petit chimal. L'invocation des illusions. Absorption super solaire. Et l'invocation Oméga. Pour la troisième fois. Refusion, attrape-mouche, un souffle d'aile, conscription de fusion, et derrière, le purgatoria qui retombe. Bon, il nous reste trois boosters, et on a fini cette display. Invocateur, vendeur de jouets. Fertilisant. Magellan. Qui retombe encore. Là, je suis vraiment absorbé sur cette illustration. C'est un truc de fou. Je trouve que c'est vraiment la seule qu'ils ont, qui mettent vraiment un beau décor derrière avec une île avec le volcan. Elle est juste magnifique cette carte. Je sais, j'ai déjà dit dans la première vidéo, mais elle m'interpelle. Prisonnier élémentaire, Muren, roi des marais, pingouin polychimal et l'Elysium qui retombe pour la... Je sais plus, je les compte plus celle-là. Celle-là, déjà, je la voulais une fois et elle me spamme portail de fusion. Fusion, paradoxe, Muren, conscription et l'effondrement magique. Et j'ai plus de booster. C'est la fin. Ah non. Bon. Je m'attendais pas. Je crois qu'il y en avait encore 2-3 à ouvrir. Oh, je suis déçu. Je suis déçu. Bon, c'est tout pour cette vidéo-là. Et il nous restera encore une display à gagner. Une display à gagner. Totalement. Il nous restera encore une display à ouvrir. Mais je vous ferai gagner des boosters dans cette display-là. Je vous en ai déjà fait gagner pour la première display que j'ai ouvert. Vous pouvez encore participer. Je ferai les gagnants... Voilà, la semaine prochaine je donnerai les gagnants de la première display et de celle-là. Je ferai les deux gagnants ensemble. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, salut salut.